France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'entreprise. CERF France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. En 1999, j'exerçais mon activité de courtier en assurance santé en distribuant des coupons réponses dans les boîtes aux lettres et en effectuant des calculs de devis manuellement chez les particuliers en prenant rendez-vous pour comparer leur mutuelle actuelle avec plusieurs types de devis calculés. Mes démarches commerciales arrivant au bout de leurs limites en termes d'efficacité de temps sur la route et les concurrences développant de plus en plus, j'ai dû informatiser ma force commerciale. J'ai donc conçu un comparateur de mutuelle santé en ligne avec un module de signature électronique couplé à ce comparateur pour augmenter nos flux de réalisation commerciale et ensuite un outil de gestion de relations clients optimisé. Vincent, as-tu reçu les demandes de prospects aujourd'hui ? Le comparateur en ligne calcule instantanément les offres pour le prospect que nous avons en ligne avec notre téléconseiller. Et adossé à un bon système de référencement, il nous permet de générer un flux important de demandes de devis. Et donc, nous sommes passés d'une économie commerciale itinérante à mes débuts avec véhicule à une économie commerciale sédentaire avec nos téléconseillers en plateau téléphonique. Voici les demandes du jour. Par exemple, pour ce couple, nous allons chercher le meilleur rapport qualité-prix en fonction de ses besoins. Myriam dispose de différents paramètres pour trouver la meilleure offre. Supposons que Myriam augmente le paramètre hospitalisation. Le comparateur recherche les garanties répondant à ce critère. En ligne avec le prospect, Myriam envoie un devis personnalisé dans le but de le conseiller. Premièrement, la signature électronique nous permet d'augmenter significativement nos volumes de vente par des gains de productivité. Deuxièmement, elle nous permet de sécuriser la contractualisation des contrats par voie électronique en web. Et troisièmement, elle permet de diminuer considérablement l'archivage papier. Je vais prendre votre nom, madame. Le bénéfice de l'outil de la gestion relations clients est en fait le partage des informations au sein de l'équipe et l'interaction avec le client sur ces informations. Et donc, on est passé d'une culture de l'oral à une culture de l'écrit partagé sur l'outil. Avant de se lancer dans l'informatisation de son activité commerciale, il est indispensable de se préparer. Et comme je dis très souvent, ne pas se préparer, c'est préparer à se faire oublier. Dans le cadre de la préparation de son informatisation, il est indispensable de répondre de façon objective à des questions de bon sens. La première, quelle est la vision de mon activité commerciale? Ensuite, quelle est la relation client que j'ai aujourd'hui et que je souhaite pour demain dans le cadre de cette informatisation? Ensuite, la troisième question, c'est quel objectif et résultat attendu de mon informatisation de l'activité commerciale? Et puis la dernière question, c'est quels sont les moyens financiers et aussi humains en termes de temps dont je vais avoir besoin pour réussir cette informatisation. Voilà un an que vous avez lancé votre nouveau comparateur de mutuelle santé et aussi votre nouvel outil de gestion de relations clients pour l'équipe commerciale. Aujourd'hui, le client est exigeant dans la rapidité et la qualité des échanges qu'il souhaite avoir avec son fournisseur. Et avec les nouvelles technologies, il faut être conscient que chacun d'entre nous se trouve à un clic de ses concurrents. Depuis un an que nous avons mis en place ces deux nouveaux outils, nous avons pu noter une augmentation des flux commerciaux très importante. Pour réussir dans ce contexte, les entreprises doivent être rapides, efficaces et surtout agiles, c'est-à-dire avoir une facilité à s'adapter. Pour y parvenir, des outils informatiques sont aujourd'hui à disposition des TPE et des PME pour réussir leur objectif de développement commercial. Par ailleurs, nous avons amélioré en taux de satisfaction notre relation avec nos clients grâce au nouvel outil de gestion relations clients que tous les collaborateurs se sont appropriés. Les nouveaux outils informatiques nous ont permis de redéfinir la relation client
la relation et les postes des collaborateurs, notamment les fiches de poste, ainsi que le management est passé à un management motivationnel. Et donc, tout le monde en a tiré les bénéfices, nos collaborateurs ainsi que les clients. Les conditions pour réussir l'informatisation de sa démarche commerciale est de présenter les bénéfices que les utilisateurs vont pouvoir en tirer. Identifier soigneusement les processus métiers afin de soigner leur intégration dans les écrans qu'ils vont utiliser pour limiter la résistance au changement informatique. Les prochaines étapes de notre développement sont d'ouvrir notre savoir-faire relation client à d'autres services, d'autres TPE, PME qui ne consacrent pas assez de temps à leur relation client. Premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable vous a présenté Parole d'entreprise. CERF France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil.